Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve, playlist Intex. Aujourd'hui, déballage et test de la petite lampe secoupe. Alors, au niveau de l'inscription, on a lampe flottante LED. Illuminez vos soirées d'été grâce à cette lampe flottante super fun. Trois différents modes couleurs. Éclairage optimal pour piscine jusqu'à 5,49 mètres. À mon avis, ils ont oublié cube, mètre cube. Bon, ben là, nous, on est un peu hors cote, on est beaucoup plus. Arrêt automatique au bout de 2 heures, donc ça, c'est bien. Fonctionne avec 4 piles AAA non incluses. Alors, pour info, les piles AAA, c'est les fines comme ça, celles qu'on a régulièrement dans les télécommandes pour la télé. Inclus dans le carton, une lampe de piscine flottante et, comme d'hab, fabriquée en Chine. Donc, on va déballer pour regarder un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Notice d'utilisation en 50 000 langues. Et on a la fameuse secoupe. Alors, voilà comment ça se présente. Dessus, on a le bouchon. Là où normalement, on va mettre les piles. Voilà. Donc 4 piles AAA. Et on va remonter. Alors, normalement c'est étanche. Et donc on a un petit bouton dessus pour pouvoir démarrer la lampe. Alors on va appuyer une fois. Une fois, ça éclaire dessous. Alors, deuxième fois, c'est les petites LED du dessus qui changent de couleur. Troisième fois, c'est dessous plus les LED de couleur. Et quatrième fois, il y a tout qui s'éteint. Voilà. Donc, c'est du plastique. On verra. On verra ce que ça donne quand il fera nuit au niveau de l'ambiance. Et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, on se retrouve nocturne devant la piscine pour le test de la lampe secoupe. Alors, on va déjà faire un test une fois avec juste la lumière du dessous. On va couper la lumière du téléphone. Hop, voilà. On va voir déjà ce que ça donne. Alors là les gars, je suis très très surpris de la puissance d'éclairage de ce truc quoi. C'est vraiment incroyable, là je ne m'attendais pas du tout à ça quoi. Donc on va la récupérer et on va passer en version LED. Hop, on appuie sur le bouton. Alors, c'est sympa, ça fait ambiance, mais bon, niveau éclairage, là, pour le coup, ça éclaire que dalle, quoi. Mais c'est sympa. Donc, on va passer maintenant sur la troisième position du bouton, c'est-à-dire lumière du dessous plus LED. Franchement, je trouve ça sympa, moi. Je trouve que ça éclaire bien pour vu la taille du truc avec des petites avec 4 piles AAA pour le prix. Moi franchement, j'aime bien. Là, je valide. C'est marrant, ça clignote, c'est sympa, c'est pas très cher. Voilà. Vous en pensez quoi à côté là? C'est bien. C'est pas mal. Voilà les amis, on va se quitter à la position numéro 3, LED du dessous plus LED clignotante. J'espère que la présentation de ce truc flottant vous a plu.
N'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser, à regarder les autres vidéos dans la playlist piscine. Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye!